disponible à la date du 4 avril dernier. S'est tenue la cérémonie des awards des entreprises Radisson à Abidjan. Donc une cérémonie organisée par AB Communication, dont je salue la présence très remarquée de son directeur général, M. Amos Bounao, donc qui va précéder la remise de son trophée qui aurait pu prendre le 4 avril dernier s'il avait été disponible. C'est vraiment un grand honneur pour le groupe Ivoire TV, Ivoire Communication, de recevoir cette équipe de communication. Monsieur Bounao, à vous. Monsieur Nzumba, directeur général de l'Ivoire Télévision, Madame la Présidente, et un collaborateur de Monsieur le directeur général, chers amis, chers confrères, chers collaborateurs, je voudrais, au nom de AB Communication, vous dire merci de votre présence, même si ce n'est pas le site de l'Europe. Nous sommes ici dans le cadre de la deuxième édition des AWAD. Des entreprises et des institutions socio-économiques de la deuxième édition de 2020 qui a eu lieu le 11 décembre dernier au Radisson Blu, qui fut une soirée de distinction, du top management des entreprises et des institutions socio-économiques qui était parrainée par le ministre de l'économie et des finances et passé sous la présidence du ministre Daron Pollin qui était représenté à cette occasion par le ministre Roger Adom, ministre de la réforme des administratives, et qui a vu avec la co-présidence de M. Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie, avec pour invité d'honneur le ministre de la Santé, Akaobe, et Mme Anne Désiré Oumouto, ministre de la Santé de la CNC. Je voudrais dire, profiter encore une fois de la présence de la presse pour dire merci à ces autorités, ces officiels, notamment à tous les membres du gouvernement présent et bien sûr à la tête du Premier ministre, parce que s'il n'avait pas voulu, tout ce monde, le membre de son gouvernement n'avait pas présent. Donc je voudrais leur dire merci. Et encore dire merci à la maison qui vient recevoir, Ivoire Télémusique et Ivoire FM. Je pense qu'ils font beaucoup pour la musique ivoirienne. Cela, on n'a pas besoin d'un dessin pour le dire. Mais dans le cadre des awards, il a pu au juré d'abord de les sélectionner parmi les nominés. Le processus de nomination, c'est une cinquantaine de journalistes, des professionnels des médias comme de l'économie, du marketing et de plusieurs activités à qui reçoivent dans le style du ballon d'or ou du festival de Cannes qui reçoivent des fiches. Qui désigne un certain nombre d'entreprises ou de personnalités. Et ces personnalités qui viennent en tête du classement, les trois premiers sont considérés comme les nominés. Et donc c'est pourquoi Ivoire FM, Ivoire TV, ensuite Ivoire TV Musique étaient parmi les nominés. Et il y a plus au jury de 5 membres de les désigner comme lauréats dans la catégorie médias, précisément en ce qui concerne le prix de la meilleure chaîne national de musique. Donc ça s'applaudit. À cet effet, il devait recevoir les trophées dans la salle de façon avec beaucoup plus de solennité. Nous devons vraiment présenter nos excuses à la direction générale de l'Ivoire TV Musique qui était effectivement présente ce jour-là. Malheureusement, des valeurs organisationnelles et un certain nombre de choses ont fait que depuis. Pour des raisons techniques, normalement les prix se suivaient, on suivait l'écran. Bon, on a eu le malheur de vouloir se fier à la technique. Mais nous avons tenu à venir dans vos locaux, monsieur le directeur général, pour vous donner votre trophée parce que vous le méritez amplement. Vous le méritez parce que vous êtes une nouvelle chaîne, si on le voit, les autres chaînes, une chaîne nationale qui est plus ancienne et tout. Mais vous avez pris à bras le corps la question de la promotion des artistes ivoiriens, que ce soit ivoiriens ou bien internationaux, mais la musique, c'est un créneau où vous êtes indéboulonnable. Et donc c'est pour ça que vous avez eu le prix, c'est un prix que vous méritez. Et nous voulons vous dire bonne continuation. Et donc pour nous, c'était une manière d'encourager les chefs d'entreprise qui, malgré les difficultés à cette période de Covid où beaucoup d'entreprises ont fermé, vous avez résisté, vous avez fait preuve de résilience.
et vous allez continuer votre travail. Nous avons regardé, non seulement c'est une entreprise et que des emplois, donc c'est ce que nous primons. Nous primons aussi la qualité du travail. Vous êtes décidé vraiment à faire la promotion de la musique. C'est en tenant de tous ces paramètres que nous avons, nous donnons ce prix. Et nous voulons vous féliciter encore une fois et bonne continuation. Et donc nous voulons aussi que vous serviez des exemples en tant que directeur général. Vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous tenez la barre. Et donc c'est pour que vous soyez une référence à la matière, pour que chacun entreprenne, parce que c'est le salut de la population, ce n'est pas forcément la fonction publique, ouais, c'est ça qui veut, mais il faut que chacun entreprenne. Voilà, en gros, la raison pour laquelle nous, monsieur le président, nous allons vous présenter ce Tapé, le directeur des programmes, et je tiens à dédier ce trophée à tout le personnel. Depuis plusieurs années, nous travaillons d'arrache-pied pour atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, c'est notre première récompense, c'est vrai, mais ce temps-ci, on a eu le sondage de Médiamétrie, que nous classe comme la meilleure chaîne musicale au quotidien. Donc, ce n'est pas une surprise, et nous tenons à dire merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs aussi, et dire que le travail ne fait que commencer. Alors merci à tout le monde. Bon, à vous, Vidal, des Genèves. Donc, je ne pense pas qu'après le boss, je puisse parler, mais quand il me donne la parole. Voilà, alors nous sommes très, très heureux, très heureux. Comme on l'a bien dit, au bout de l'effort, il y a la récompense. Le travail bien fait paye. Alors, nous sommes fiers de travailler aux côtés de l'ancien M. Dumana Papayeko, qui ne ménage aucun effort pour aider les artistes ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans un milieu où la concurrence est rude. Nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de cadeau. Mais lui pense aux artistes de Côte d'Ivoire. Il pense aux entreprises qui s'organisent des événements pour promouvoir la culture. Et il voit TG comme le nom de la Côte d'Ivoire d'abord, les artistes ivoiriens d'abord et les artistes africains. On dit qu'effectivement, le coq appartient à une personne, chante pour tout le village. Il voit TV appartient à un Ivoirien, mais fait la promotion de la musique africaine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.